Bonjour à tous, nous sommes à Podgorica, la capitale du Monténégro, avec Bertrand. Bertrand, dans toute sa splendeur, il ne fait rien, ne dit rien, ne va nulle part, et le ciel restera là où il est. Bon bref, on est dans une ville où il n'y a rien. On est arrivé à la station de bus, on dit bon, mais on a une heure à tuer avant d'aller prendre notre avion. Et il n'y a rien. Donc derrière nous, on a trouvé un hippodrome. On s'est dit, bon, on va faire la vidéo là, il faut mieux. Ah, là-bas, il y a un pont. Ça, le pont est pas mal là, c'est pas dernier, pas mal. Ça, c'est le boulevard principal du Monténégro. Donc c'est sûr, ça change de boulevard cutter. Alors, pour tout vous expliquer, Dédé, le cochon d'Inde, et Bertrand, ici présent, ont eu un traumatisme. Après cette semaine de vacances festives épiques. Donc, je ne sais pas si on va la récupérer un jour. Je pense que dans la ville, il y avait un avant et un après Serbie et Monténégro. Si quelqu'un connaît un psychologue ou un exorciste, enfin, surtout prennent ce qu'ils peuvent. Alors, Dédé va quand même montrer sa tête. Dédé montre sa tête, je suis caméraman. C'est peur. Donc voilà, on va vous saluer. On va même pas vous montrer ce qu'il y a autour de nous, vu qu'il n'y a rien. Donc on va arrêter la vidéo direct. Et comme on dit Burkina Faso. Ah non, c'était au Bénin. Enfin, au Bertrand, qu'est-ce qu'on dit au Burkina Faso, Bertrand? Je ne peux pas, tantôt que je ne suis pas allé en fait. Ouais, voilà. Ben là, je crois que ça te fait du bien d'y aller. Je crois qu'il oublie, est pas cher ici, non? Allez.